Salut à tous, aujourd'hui vidéo achat avec pas mal de choses et comme d'hab Nose Blu-ray import de la BO et puis c'est tout. Il n'y a pas autant de choses que j'aurais voulu parce que la poste commence à me casser les couilles sérieusement. Entre les colis perdus, les colis retardés, les oublis dans les commandes, tout ce qu'on veut, j'en peux plus. Enfin bref, on va pas s'attarder là-dessus, de toute façon c'est toujours pareil. Alors, chez Nose, qu'est-ce que nous avons? Bah pas grand-chose parce que... parce qu'il n'y a pas grand-chose tout simplement. Au niveau film, c'est vraiment plat. Donc ça sera pas du film en tout cas. En premier lieu, ce jeu de plateau Breaking Bad. Donc, que j'ai eu à un prix plutôt sympathique, puisque, erreur d'étiquetage, je l'ai eu pour seulement 50 centimes. Alors que j'ai vu que c'était environ 10 balles chez certains. Donc très bien, je vais pas me plaindre là-dessus. Ok, il y a des fois, on n'a pas de chance, mais des fois ça va. Donc, pas encore testé évidemment, puisque toujours sous blister. Et je sais pas quand est-ce que j'essaierai ça. Mais à ce prix-là, on va avoir du mal à se priver, on va dire. Ensuite, une petite figurine. Rick et Morty. Donc là, il s'agit de Rick, évidemment. Pas forcément donné, quand même. Enfin, 4,99€, ça va. Mais faut que j'arrête avec, avec ce genre de babiole. J'ai plus de place. Ensuite, ça, c'est un cadeau. Un cadeau de mon ami Jean-Marc. Donc merci Jean-Marc. Donc il s'agit, bon forcément ça rentre pas dans le cadre, je vais montrer comme ça, comme je peux, donc d'une figurine Funko à l'effigie de Jack Skellington, de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Sympathique comme élément de déco. Voilà. Donc merci. Hop. Désolé, ça rentre pas. Bon, je vais la laisser là, tiens. Bah c'est tout pour Nose. C'est tout pour Nose. Quand je vous dis qu'il n'y a rien, il n'y a rien quoi. Par chez moi même, non. J'ai fait 3-4 Nose, même plus, je crois. Rien à se foutre sous la dent. Du BR. Avec. Liaison fatale. En import. Je sais pas quoi. C'est du néerlandais ça. Ouais, c'est ça. À un moment que je le voulais et il était plus en stock. Et là, c'est revenu sur Amazon. Donc c'est bien. Voilà. Ça, je l'ai pris sur... enfin, je l'ai trouvé sur le Marketplace. Oui, si, c'est le Marketplace. Ouais. Pour 3 euros. Ça, quand c'était sorti, je voulais le prendre. Mais bon, 15 balles, ça me faisait un peu chier. Donc le concert de Queen à Montréal. Le truc du Live Aid, c'est juste dans les bonus, hein, de toute façon. Mais assez surpris par la qualité du Blu-ray, que ce soit au niveau de l'image ou de l'audio. Voilà, pour 3 euros. La sortie du mois, entre autres. Halloween 4, que j'attendais depuis bien longtemps, comme pas mal d'entre vous, je pense. Cette sortie en Blu-ray, parce que ça fait bien des années qu'on scoltine nos pauvres DVD. Donc la sortie chez ESC. Très belle édition, bien sympa. Celle-ci, je vais vous la montrer vite fait. Donc qui comporte le Blu-ray, le DVD et un poster. Voilà, je trouve plutôt classe. Celui-ci, j'ai juste maté hier ce que ça pouvait donner qualité image. L'image, bon, ça varie entre du bon et du moyen. Niveau son, c'est pareil, c'est pas ouf, mais bon, c'est l'époque qui veut ça aussi, hein. On peut pas faire de miracle. Donc, Halloween 4. Et à ma grande surprise, avec de l'avance, Halloween 5. Donc celui-ci, je l'ai maté hier, pour le coup, parce que ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu. Niveau image, on l'est... C'est très bien, même, je dirais. C'est très bien, niveau du son, ouais, ça va aussi. Un peu mieux que le 4. Je l'ai maté en VO et STFR, parce que la VF, c'est du 2.0. Ça craint un peu, quoi. Mais, très bonne surprise niveau qualité. Après, le film est ce qu'il est, mais... complétiste oblige. Obligé de prendre aussi le 5.
Et j'aime beaucoup la tranche. C'est con à dire, mais ça fait sympa. Voilà. Il me manquera plus que ce fameux Halloween Résurrection Blu-ray, et après j'aurai tout. Je suis pas pressé. Vous comprenez pourquoi. Petit arrivage de BO, tiens. Enfin, petit. On va le dispatcher en plusieurs temps, mais bon. Ça, je l'ai trouvé en solde. Bon. Le lac des morts vivants. Par Daniel J. White. Je vois ça à la FNAC, soldé. Hein, c'est la seule solde que j'ai fait. Donc, 1 euro. Je me dis, bon, on va voir ce que ça vaut. Il y avait des trucs accrocheurs hein, sur les stickers. Voilà, qui disaient que c'était un bijou. Un bijou. Non, du tout. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. C'est une grosse merde. C'est édité par des Français. Bon, c'est le seul truc sympathique. Mais on sait pourquoi c'est arrivé dans les soldes, en fait. Hein. De la grosse daube. Chez La Land Records, Speed 2 Cruise Control par Mark Mancina, très bonne. J'ai aucun souvenir du film. Mais la musique, bon, certes un peu en deçà du premier, évidemment, mais vraiment sympa quand même, limitée à 3000 exemplaires. Un peu courte, malgré tout, mais bien quand même. Magic de Jerry Goldsmith. Toujours chez La La Land, celle-ci limitée à 2000. J'ai découvert ce film assez récemment avec Anthony Hopkins, qui était un peu jeune, un peu, je dis bien, assez spécial. Je ne vais pas revenir sur le film, mais la musique s'écoute pas mal. C'est pas le meilleur de Goldsmith, c'est sûr, mais bien content de l'avoir. Et le duo pack, Le Dentiste 1 et 2 par Alan Wars. Avec une cover dédicacée, mais ça se voit pas. Pas de ouf, mais... Voilà. Ça, pour le coup, c'est sympa, même s'il y a des côtés. Il y a une cantatrice dedans qui bug. Ces pistes-là sont un peu gênantes, mais le reste, c'est bien. Allez, retour au Blu-ray. Avec. Vampire, vous avez dit Vampire 2. Que dire? Hormis que le master très bien. Par contre, le film, je l'avais pas vu. J'avais vu que le premier. Celui-là, je l'ai découvert il y a quelques temps. Ouais, c'est vraiment une suite pour faire une suite, quoi. Pas terrible, vraiment. Même déçu, je dirais. Là, ça se regarde, mais faut tenir. Dans un cache, le US Marshall, ça fait bien longtemps que je rentre pas grand chose des caches. Celui-ci était à 3,99. Bon. Je le vois quasiment jamais, je fais aller, surtout que je m'étais fait le fugitif il y a pas longtemps. Je me suis dit, allez, on va prendre celui-là. Pareil, je l'avais pas vu depuis un bail. Bon. C'est bien, mais c'est quand même en dessous du fugitif. Hein. Pour moi, ça restera le meilleur. Kiki la petite sorcière pour continuer ce full set Ghibli. Celui-ci, je l'avais pas vu depuis un moment, je l'ai revu, bon. Il fait pas partie de mon top. Hein. Mais c'est sympa, mais, voilà, mais. Je comprends pas les gens qui kiffent celui-ci. Quoi. Pour moi, c'est loin d'être le meilleur. Comparé à celui-ci, qui est pour moi le meilleur. Donc le château ambulant. D'Hayao Miyazaki. Voilà. Ça, c'est le mieux. Et celui-ci que j'ai rentré pour pas très cher. 2,99 ou 3,99, je sais plus. Bref. Le conte de la princesse Kaguya. Que je n'avais jamais vu et que j'ai découvert. Ça m'avait l'air bien éclaté en fait comme film. C'est pour ça que je me suis pas acheté dessus. Mais vu le prix, j'ai fait allez, vas-y, c'est bon, on y va. Et au final, c'est une assez bonne surprise. Ouais, il dure un peu longtemps, il dure un peu plus de 2 heures, mais c'est pas nul en fait. C'est pas nul. L'animation est un peu spéciale, mais voilà, je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas lire le synopsis ou quoi que ce soit. Mais je vous le conseille pour ceux qui douteraient encore.
Rebéo. Avec Friday the 13th partie 2. Qui inclut aussi le partie 3. Chez la Land Records, toujours. Au choix, on peut intervertir les covers, mais bon, quitte à choisir, autant mettre le 2. Hein. Même si je préfère, et de loin, celle-ci. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est sur deux CD séparés. J'aime bien la sérigraphie aussi. J'ai une préférence pour le 3. Là, pour la nostalgie, la soundtrack de Inspector Gadget, édition spéciale 30e anniversaire. Et ben assez bonne surprise en fait, même très bonne surprise. Hormis le thème que tout le monde connaît, et ben il y a de la compo de ouf en fait dedans. Il y a des pistes vraiment surprenantes, je dirais, bien rythmées et tout ça. Donc franchement, je suis pas déçu, du tout. Voilà. Édité par des Français encore, faut le préciser. On l'achète français. Classique, Karate Kid par Bill Conti. Voilà. J'ai pris l'édition Varese de 1000 copies parce que, ok, il y a La La Land qui est sortie, qui est un peu plus complète, mais c'est encore du remplissage qui sert à rien, avec des alternate mix, des conneries comme ça, bref. Ça, c'est très bien, et de toute façon, niveau audio, je préfère de loin Varese que La La Land, pour ceux qui savent. Only I Shrank the Kids par James Turner, donc chez Régis Rétréci les Gosses, chez Intrada. Du gros classique encore. Zombie, du groupe Goblin, on présente pas. Ça c'est de chez qui? De chez Cinevox. Label italien. Donc j'avais déjà pris Phenomena, je sais plus trop quoi chez eux. Enfin bref, j'en ai déjà une de Zombie, mais c'est de la réorchestration. Non pas que c'est mauvais, hein, il est même très bien ce CD. Mais sur celui-ci, c'est vraiment les musiques qu'on entend dans le film. Donc il me fallait obligatoirement les vraies versions pour vraiment avoir tout ce qu'il faut. Quoi. Voilà, vous allez me dire, je suis un taré, mais oui, c'est comme ça. Allez, dernière vague de films, avec Fast Times at Ridgemont High, je sais plus c'est quoi, en VF, bref. Très très bon teenage movie, comme on n'en fait plus. Voilà, vous saurez pourquoi. Un port US, il me semble, ou anglais, je sais pas, d'habitude, ça c'est des logos anglais, vous allez me dire. Mais je crois que je l'ai commandé aux States quand même, ça. Il me semble que oui, c'est même sûr. Donc il n'y a que la VOST FR dessus, pardon, il n'y a pas d'audio FR. De toute façon, moi, je l'ai toujours vu en VOST, donc ça ne me dérange pas. Et c'est aussi bien comme ça. Donc très content de le rentrer, celui-là. Ensuite, Horribilis, sorti chez ESC aussi. Ouais, j'ai pas pris le collector, et alors, c'est comme ça. Je l'ai pas ouvert, hein. Je peux pas dire ce que vaut l'image, je sais pas. Ça a l'air d'être sympa en termes de packaging et tout ça. J'ai pas pris le temps, désolé, mais ouais, je vais pas revenir sur le film de James Gunn, qui est assez trash dans son genre, mais plutôt cool, vraiment cool même, je dirais. Voilà, après il faut aimer, hein, mais bon. Est-ce qu'on finit par ça? Non, il me reste un film, mais on va clôturer vite fait les BO, avec que des BO trouvés en cache que j'ai pas pris le temps de nettoyer ni quoi que ce soit. Donc, Tomorrow Never Dies, donc Demain ne meurt jamais, voilà. 1,99, mais c'est du moins 50 en général. Voilà. Ocean 13, par David Holmes. Celle de X-Files. Et le combo Scream et Scream 2 par Marco Beltrami. Maniac chez Le Chat qui Fume. Oui, j'ai pris Le Chat qui Fume. C'est vrai que je suis pas fan de ouf. Voilà. Au final, avec un bon d'achat, je ne l'ai même pas payé. Donc c'est très bien. Je l'ai revu récemment en fait en
en démat, hein, téléchargé, on va pas se mentir. Mais en fait, bah, j'aime bien. La première fois que je l'avais vu, j'étais peut-être un peu jeune pour apprécier. J'ai trouvé même que c'était de la merde. Et là, l'ayant vu, je me suis dit, en fait, c'est pas mal du tout. Donc, il y a un paquet de bonus de ouf. Donc, celui-ci n'est pas ouvert encore. Mais bien, bien content de le posséder, au final. Voilà. Il y a le 4K qui est sorti récemment. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Du 4K sur ce genre de film, je vois pas l'intérêt. Hormis pour voir les trous dans la gueule de Joe Spinell ou le maquillage de Tom Savini en carton pâte en 4K, je vois vraiment pas l'intérêt quoi. Donc là, le Blu-ray se suffit à lui-même. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai pas montré autant de choses que j'aurais voulu le montrer, mais bon, c'est pas grave, il y a déjà pas mal de petites choses. Mais bon, je suis frustré, que voulez-vous, par les envois postaux. Mais bon, il y a déjà pas mal de choses. On avance sur les Ghibli, on avance sur les BO, on avance sur tout, de toute façon, même si ça semble être sans fin. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, un pouce bleu, à vous abonner, et puis voilà, moi je vous dis à très vite. Ciao!